dark side. I wanna be your left hand man. Allô, je suis en train de faire des petites gaufres aux enfants. Il est 11h, fait que je m'ai vraiment pas resté très longtemps. Ça fait vraiment un bout que je vais m'en paraisser en haut longtemps. Fait que j'ai décidé de vous vlogger parce qu'aujourd'hui, on va faire un test dans le fond, pour la fête à Jaden. Nous, on fait tout le temps, mettons, bar à quelque chose. T'sais, on a déjà fait bar à taco, bar à panini, panini et salade. On a fait bar à poutine plusieurs fois. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On ne rappelle plus les autres, mais... Poutine et taco, on a refait ça beaucoup de fois. On a fait style brunch, crêpes, tout ça. Mais là, ça on l'a fait deux fois. Mais là, Anthony a eu l'idée de faire un bar à kogo coréen. Fait que si vous savez pas c'est quoi des kogo coréens, c'est genre des méga gros pogo là. Puis t'as des choses genre dessus, mettons, t'as des ramen, t'as des sauces, pis tout ça. Fait que nous, on va faire trois sortes. Style normal là, pour les enfants, mais on va les faire quand même maison, genre. Un avec des ramen, un tu sais, mettons une genre tu vas avoir sauce genre teriyaki, des trucs de même là, et un avec les genre des petits mini patates dessus. Fait qu'on va tester ça aujourd'hui. Fait que je vous montrerai comment on va faire. Parce que, ben, on va voir si c'est un succès ou si c'est raté. Parce que faut essayer avant. Puis aussi, vous voulez en faire, essayer avec t'as la saucisse, mais t'as du fromage aussi dedans. Fait que, on va faire ça. La mère Anthony est ici aujourd'hui. Fait qu'on s'est dit, ben, il va y avoir quelqu'un à tester nos recettes aussi. Fait que voilà, parce que c'est sûr, si on fait ça dans le vlog de la fête, et j'aurai pas le temps de vous montrer ça, là. Alors, voilà. Fait que, c'est ça, je fais le petit déjeuner, je fais mon café, puis ben, après, faut que je fasse le déjeuner à Camilla, puis après, Anthony va la laver. Je suis en train de faire mon café, puis ça m'a fait penser que j'ai même pas adressé une situation ici. Ben, je l'ai adressé sur Instagram, par contre, là. Mais vous savez, cette semaine-là, qu'est-ce qui est arrivé à Laval? Mon Dieu, sérieux, c'est tellement triste, là, pour les familles. Puis moi, ben, dans le fond, je l'ai appris vraiment tôt. En fait, dès que je me suis levée, j'ai vu sur mon téléphone parce que mon ami, ses enfants, c'est là qu'ils vont. Ses deux enfants, puis dans le fond, elle a... Oh, maman! Elle a fait ça! Oh, là, c'est son assiette! À l'envers ou pas? À l'envers. Oh! Génial! Je m'en vais. Je vais aller lui donner. Puis, bon, comme la chiante, là, je vais essayer de parler. Donc, c'est ça mon café. Puis, c'est ça, moi, mon amie, dans le fond, elle allait porter ses enfants. Genre, elle a vu l'autobus passer à côté d'elle. Et, elle trouvait ça bizarre. Parce que c'est pas. Je pense que c'est pas un trajet, genre. Comment que la garderie allait, là, puis que l'autobus allait vite. Puis, dans le fond, ben, elle a vu ce qui s'est passé, elle a vu. Je pense que ça doit s'être passé vite, là, mais en tout cas, elle a vu l'homme se faire sortir nu, là. Genre, oh my god, elle allait porter sa fille à la garderie. J'étais comme. C'est fou, là. Ouais, fait que c'est vraiment super triste qu'est-ce qui est arrivé, puis c'est vraiment triste que, genre, tu sais, c'est quand même attaquer volontairement des enfants. Oh my god, ok, c'est triste pour les familles qui... Désolée, je suis en train de faire mon préfère en même temps, c'est triste pour les familles qui ont leurs enfants, ben premièrement pour toutes les familles, parce que... Les enfants d'avec tout ça. Puis imaginez ceux. Quand je pense qu'il y a deux enfants qui sont décédés. C'est complètement fou. Genre, je pourrais pas imaginer que quelque chose de même arrive à mes enfants. Mettons, c'est quand que tu sais, je dépasse en lieu sûr. Ouais, fait que c'est ça. Je trouve ça vraiment triste. Allô, j'ai en chambre des filles. Ah, puis parlant de chambre, écoutez, hier, on parlait de ça, moi et Anthony.
Et ça faisait vraiment trop bizarre. Parce que là, on parlait que... Mais tu sais, on sait pas, genre, quand on va changer de maison, mais pour vrai, on aime vraiment leur école primaire. Puis, genre, ça me tenterait pas de déménager, puis que, tu sais, qu'on doit aller changer d'école, parce que, pour vrai, genre, on l'adore l'école. Fait que, on va être ici, c'est sûr, pour encore plusieurs années. Fait que là, on se disait, comme, quand les gars vont être plus vieux, tu sais, c'est parce que, pour vous donner, mettre en contexte, là, moi et Anthony, on est ensemble depuis qu'on a 13 ans. C'est-à-dire, mettons, si on penserait à Jaden, là, c'est dans 6 ans, OK? C'est proche. Fait que c'est possible qu'ils veulent son intimité. mais tu sais, c'est comme dans longtemps, mais tant, tu sais, c'est pas tant longtemps encore. Fait que là, on pensait éventuellement, de toute façon, ils sont trop heureux, là, ils peuvent pas aller au sous-sol. Mais éventuellement, on va faire une chambre des gars au sous-sol. Tu sais, en ce moment, c'est une salle de jeu, mais ils veulent même pas jouer dans la salle de jeu parce qu'ils ont peur. Fait que c'est comme une salle avec les jeux qui montent en haut pis tout. Fait que éventuellement, le sous-sol sera la chambre des gars. Anthony, lui, jusqu'à temps qu'on déménage ensemble, il était dans une chambre avec ses deux frères, okay? Fait qu'il était trois. Fait que c'est ça. Mais tu sais, notre sol, il y a vraiment un grand espace pour faire une chambre, même faire un coin genre salon avec le sofa qu'on a déjà, mettons, pour les gars. Fait que c'est ça, genre dans peut-être 4 ans ou je sais pas combien de temps, tu sais, d'ici là, on va finir la salle de lavage, on va faire, ça va être une autre salle de bain, tu sais, fait qu'il y a une douche, une toilette, tout. Puis les gars auront une chambre en bas. Ça va être une grande chambre, fait que c'est le fun. Puis dans le fond, les filles, parce que là, Camilla, quand elle va dormir bien la nuit, elle va venir dormir ici avec Amanda. Mais, ben, dans le fond, dans un futur, dans le fond, si ça va rester la chambre à Amanda, puis l'autre chambre sera celle à Camilla, genre. Fait que, c'est ça. Puis, c'est ça. Parce qu'on sait pas combien d'années on va rester ici, mais, tu sais, on se dit, tu sais, si on pense que ça, c'est dans 5 ans, ben, oui, on va rester sûrement 5 ans encore ici. Parce que, c'est ça, comme je vous dis, on aimerait ça que, peut-être, qu'ils fassent leur école primaire toute ou que c'est leur notre école de bassin, genre. Puis, c'est ça. Nous, qu'est-ce qui nous dérange, là, les points de la maison? Il y a comme deux points. Okay. C'est le fait que notre entrée de garage est en pente. On déteste ça, mais là, depuis qu'on a notre Pathfinder, genre, on s'en fout, genre, ça change rien, pour vrai, la pente. Ça change vraiment rien avec le 4x4. Puis, notre cour, tu sais, qui est petite et tout ça, ça, en même temps, on n'est pas des gens qui passent leur vie dehors. C'est juste que c'est pas super, mais tu sais, c'est ça. Sinon, le reste, c'est toute la maison, on aime ça. Tu sais, oui, j'aimerais avoir une plus grande cuisine, mais genre, elle est quand même grande, là, c'est pas si pire que ça. Je me disais, bon, ça serait fun peut-être qu'il y ait toute leur chambre éventuellement, ou tu sais, une chambre de plus, mais là, tu sais, si on met les gars dans le sous-sol, genre, les filles vont avoir chacun leur chambre, puis eux, ils vont avoir un super grand espace, tu sais. Ils ont 17 mois de différence, là. Alors, Anthony, lui, c'est ça. Il était dans sa chambre jusqu'à temps qu'il déménage avec ses deux frères, comme je vous dis, là. Fait que, c'est ça. Fait que, voilà. Parce qu'on est quand, tu sais, on est bien, là, ici. Fait que, tout ça parce que j'étais dans sa chambre. C'est pour ça que j'ai pensé à ça. Je vais vous montrer, là. Là, Anthony, elle avait les deux filles. Puis, je vais vous montrer des coups de cœur pour les cheveux Amanda que j'ai achetés au Concept Séchette. Le spray multi-usage de biolage. Tu sais, il m'en reste pas beaucoup, là, si vous entendez. Ça dépeint ses cheveux vraiment super bien. J'ai essayé beaucoup de produits. Et j'ai acheté ça qui est vraiment juste pour elle parce que j'ai pas les cheveux frisés. C'est de Design Me. C'est le Bounce Me Baume pour les boucles. Fait que je mets ça après avoir démêlé ses cheveux. J'en mets comme... Puis là, j'en mets partie de ses cheveux. Puis là, après, je fais comme ça, genre, avec ses cheveux. Puis ça lui fait vraiment des belles boucles, là. Puis même elle, elle aime ça. Fait que, puis elle sait que c'est son petit produit à elle. Fait que je vous montrerai ses cheveux tantôt. Là, on a invité Cynthia à venir souper. Fait que finalement, on va faire des cogos pour plus de personnes. Et là, je m'apprête à filmer un petit unboxing 2x2 parce que j'ai reçu, ben, des produits que j'ai choisis, là, mais j'ai reçu un beau colis. Fait que si vous voulez un code promo, je vais en avoir un aussi sur, que je vais mettre sur Instagram. Il est rendu, je sais pas il est quelle heure, peut-être 2 heures. J'ai fait vraiment longtemps de devoir avec les gars. C'était long, là, s'activer. Pendant ce temps-là, Anthony a été faire les commissions. Puis aussi, j'ai fait la réinscription des gars à l'école. Fait que deuxième année et première année.
Puis j'ai inscrit Amanda à Passe-Partout. Ça, c'est plus long, là, l'inscrire. Fait qu'il va aller à la garderie, puis à Passe-Partout. Je vais vous montrer les petits prix qu'Anthony a fait au. Walmart, je pense. Fait qu'il a acheté deux liqueurs, sûrement pour ce soir, de l'huile pour la friteuse. Alors, j'ai marinade à la jerk. Du gochujang. Une sauce chili coréenne. Je découvre avec vous. Une sauce sucrée et piquante. Bon, il a acheté différentes sortes de ramen pour les kogo. Fait que les sapporo sont vraiment bonnes. Voilà. Et il a acheté, c'est ça, des petites patates comme ça pour les kogo. Des frites parce qu'on va servir ça avec des frites ce soir. Il a acheté des fraises, des petites tomates. Il a acheté 5 mangues. J'ai acheté du bouillon canton. Il avait oublié qu'on avait acheté au Costco. Deux bouillons originales. Il a acheté des pilons de poulet. Il a acheté 3 bouillons au vin rouge. Mais au moins, c'est sûr, c'est l'original qu'on a du Costco. Il a acheté la compote comme ça. D'autres ramen. D'autres ici. Pas mal de ramen. Les pics pour faire les courroux. D'autres pilons. Il va être en rabais. Puis il y a des besoins de neveu. Puis il a acheté de la pain. La Anthony va faire. Alors, on a pris des saucisses comme ça. Il a coupé en deux pour que on puisse peut-être goûter à deux par exemple. Ça tient pas. C'est qu'il a fait sa pâte. On va voir si c'est bon. Puis, on a trois options ici. L'option juste la panko, l'option genre pour les enfants, l'option petite patate et l'option ramen. Puis, on a des sauces. Ça, on peut les trouver. Mais j'ai fait au ramen, mais là, je n'ai plus touché celle-là. Je vais voir un peu. Je peux faire des petits biscuits. Pratique d'avoir ça. On est le lendemain. Écoutez, j'ai oublié de conclure le vlog hier. Comme vous avez vu, on a fait des kogo coréens. C'était bon, mais pour vrai, une chance qu'on a essayé parce qu'on fera pas ça. On fera pas ça pour la fête à Jaden. C'est bien trop long. C'est long. On peut mettre genre 3 kogo à la fois, puis comme ça, c'est quand même cher pour vrai faire ça parce que c'est genre des grosses saucisses là. Oh mon dieu, c'est mes cheveux aujourd'hui vraiment durs. En tout cas. Fait que non, genre, on fera pas ça. Tu sais, on le referait juste nous à maison, mais comme là, pas pour une fête. Fait que finalement, on a choisi le menu de fête à Jaden. Je vous le dis parce qu'on a comme changé, ça sont pas les kogos. Ça va être un bar à panini. On avait fait ça comme une fois il y a des années. Puis c'était vraiment bon. Sauf qu'on s'était dit que la prochaine fois, on ferait pas des gros paninis qu'on coupe en deux. On va faire dans des petits, comme au Costco, là, ils ont des petits pains, là, ça se vend en sac, là. C'est comme des petits pains, comme carrés un peu. Fait qu'on va les faire comme des mini carrés de panini. On va faire un pomme brillée, genre pomme verte brillée. On va faire un bocconcini, pesto et tomate séchée. Ça va être tellement bon. Puis un qui ça. Fait que c'est comme deux. Pas de viande, puis un à la viande, mais comme peut-être une viande piquante ou pas piquante, on sait pas encore. De quoi? De l'eau? Oui. Ça qu'est ça. Puis on va faire avec ça un. Dans le fond, c'est bar à panini et salade. Fait que, non, il n'y a pas de glace, faut que je les fasse. Est-ce que ça pourrait les faire? Ouais, on va les faire ensemble tantôt. Puis, bar à salade, fait qu'il va y avoir la salade de macaroni, la salade de pâtes de Alex, parce que tout le monde l'aime. Et, ma salade de brocoli que j'ai faite 2-3 fois dans des fêtes et que tout le monde aimait. Fait qu'il va y avoir 3 salades. Le bébé. C'est Jaden quand il était petit. Fait que ça va être super bon. Fait que c'est le fun. Parce que les enfants vont peut-être prendre un petit morceau, un sandwich. Puis ça aime bien les salades de pâtes. Puis avec ça, je pensais peut-être faire une salsa étagée avec des nachos ou tout simplement comme. Deux sortes de chips, mais ça va être bien bon. Puis, tu sais, moi, il y a ma mère qui est végé, fait qu'il y a deux options comme pas de viande. Puis, c'est ça. C'est le fun parce que, comme ça va être des petits carrés, ben, tu sais, le monde peut s'en prendre, tu sais, des 3 différents s'ils veulent. Fait que c'est ça. Ça va être ça finalement pour sa fête. Lui, il adore la salade de pâte à Alex Jaden, là. Fait que c'est
c'est ça. On se revoit une autre fois. Bye tout le monde. Puis, ah oui, c'est ça. Nous, dans le fond, on va faire deux fêtes. Le lendemain, je fais sa fête d'amis. Puis, à sa fête d'amis, ça va être comme sûrement 11h30 à 4 ou de quoi du genre. Puis, on va commander de la pizza. Mais ça, c'est pour comme la fête familiale. Et ça approche. Il y a bientôt 7 ans. À la prochaine!